Bonsoir, vous êtes là? Je vous avais pas vu. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, content que vous soyez là du coup, très très content. Le retour des Mythes et Légendes de Bord de Ciel, je vous l'avais annoncé sur le Discord, il est là. Est-ce que ce sera un reboot, une suite? Je ne sais pas. Mais pour l'heure, écoutez, c'est parti, allons nous amuser, allons nous régaler. Allons tuer des gens, allons faire du mal. Attendez, je vais essayer de voir pour mettre un peu plus de volume. Voilà. Faut mettre un petit peu de musique aussi. Voilà qui devrait être bon. Écoutez, du coup, on se retrouve sur Skyrim. La spéciale édition, légèrement modée, hein, j'ai pas foutu des milliards de mods, juste quelques mods qui rajoutent des capes, des armes, des modèles de texture pour certaines armes, comme les armes d'Edric par exemple, parce que je n'aimais pas du tout la gueule qu'elles avaient. Elles sont dégueulasses ces bottes. C'est dégueulasse tout ça. Mais oui, du coup, ouais, quelques modèles d'armes qui ont été échangés. Désolé pour la grosse moto qui passe. Je sais pas si vous l'avez entendu. Moi, oui. En tout cas, voilà. Quelques petits mods. Pour que le jeu ne soit pas. Le jeu n'est pas overcassé. Hein, alors oui, bien sûr, j'ai une arme pour me défendre au corps à corps. Mais, je suis un archer. Je suis un archer et du coup, je m'amuse beaucoup trop. Alors, à savoir que dans le mode que j'ai rajouté, si je peux vous le montrer, ce sera apparemment pas là, mais ça vaut rien du tout. C'est bien de la merde. Par contre. S'il te plaît, j'apprécierais. Tu ne veux pas, n'est-ce pas? Tu ne veux pas. Très bien, ce n'est pas grave. J'avoue que les gantelets et les bottes sont stylés, mais j'aime pas le Talmor, quoi. Je déteste le Talmor, c'est. J'aime pas. Ne me demande pas de vous expliquer pourquoi, juste je les aime pas. Du coup, je pourrais pas vous le montrer là tout de suite, mais je sais pas si vous voyez les larges caisses et les trucs comme ça. Les grandes caisses. Qu'est-ce qu'il y a comme livre? Chronologie de la troisième ère, je prends. La Reine Louve, volume 7, je prends. C'est jamais, je crois que je l'ai pas en plus dans ma collection. Esprit de Nirn. La Danse du Feu, volume 3, je sais pas si je l'ai. Est-ce qu'il y a du monde encore là-dedans? Oh là oui, il y a beaucoup de monde là-dedans. Hop, non, pas le blé, juste la thune. C'est un peu moins d'une centaine de kilos de portage, on va faire gaffe. Le type là en bas. Petite connerie. Vous étiez chanceux d'être un archer. Vous êtes mort. Ah voilà. Ce genre de caisse, pas celle-là, mais ce genre de caisse, il y en a certaines que je peux fouiller. C'est aussi issu d'un mode. C'est issu d'un mode aussi qui me permet du coup de fouiller juste plus de. Plus de contenants, en fait, tout simplement. Ça rajoute des contenants à fouiller. Et merde. Manqué. Allez.
Il faut arrêter la magie, monsieur, c'est chiant. Arrêtez. Oh non. Pas de pitié pour vos têtes, non? Certainement pas. Hop. Non. Hop. Merde. Ça va pomper toute ma magie. Mais au moins j'ai récupéré quasiment toute ma vie. Bien! Continuons. Je t'ai fouillé. Qui d'autre est présent là-dedans? Dans cette pièce-là, en tout cas, personne apparemment. Du fût d'hydromel. Boivent notre hydromel en plus. Ah là 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 là. Oh! Hop! Je prends la petite tarte pomme. C'est un bar et il n'y a même pas d'or. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, ça je prends. Je l'avais pas celui-là. Barrels. Hop. Attends, il y a du monde. Non? Là qui est étonnant. Il y a un corps par contre. Bandit. Triste pour lui ça. Là-bas il y a du monde par contre. Je l'ai vu. Hop, touché. Allez, arrive. Derrière, derrière, derrière. Tu me gonfles toi, monsieur, là. Merci. Putain, t'as eu de la chance. Oh, j'aime pas. Oui, bon, allez, disparaît. Hop, manqué. Archer, archer, montre-toi. Au. Au. Oula. Il fait mal lui, hein. Il pique, hein, celui-ci, hein. Un doute. Non, ça va. Ok. J'ai pas une potion de résistance à la foudre, une connerie comme ça, là. Si. Parfait. Manqué. Je vais brûler. Aïe. 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 Tu mourras avant moi. Je te l'ai dit que t'allais mourir avant moi. J'en ai déjà une, ça c'est de la merde. Je vais piquer des flèches. Il y a quoi là-dedans là? Bien! Ah! Je prends. Oh, c'est le level! Level up! Il y a beaucoup de choses là-dedans.
Hop, c'est quoi cette merde? Un arc impérial, c'est de la merde. Hop. Plus de vie parce que ça descend très très vite quand même. Hop, pam pam pam, pas pour l'instant. Archerie. Ah fuck. Là peut-être. Ah. Zoom avec un arc ne consomme pas de vigueur. Ça me servirait ça. Je m'en sers beaucoup. C'est parti. C'est une blague? C'est censé ne pas consommer de vigueur. Ben, mais c'est de la merde! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ne consomme pas de vigueur. C'est de la merde! Écoutez, c'est pas grave, on fera avec, hein. Il reste des têtes de cul. Oh oui. Il en reste quelques-unes. Parfait. Tu n'as rien vu, rien entendu. Probablement, oui. C'était chaud. Personne, fils de pute. Oh! Oh, douleur. Ah, j'ai mal pour toi, mon salaud. Ah, t'as dû prendre cher. Ah, oh, je suis désolé. La musique qui s'affole pour rien du tout. Une scie ensanglantée absolument dégueulasse. Étude des Dwemer, volume 1, je prends. Sombre ténèbres, récolte du venin de givre père, ok. Tout ça j'ai déjà lu, je crois. Faudrait que je rajoute un mode pour savoir quel livre j'ai lu ou non. Elven Tanto, je prends. Dague nulle de fer. Cloque Talmor, une cape de Talmor, on s'en branle, poison, des lanternes. Oh! Une hachette de glace, c'est stylé. De glace, de. Oui, enfin, de verre quoi. Aucune des caisses n'est fouillable. Ok, fort bien. Oh, il y a de l'armement de verre ici. Bien ça. Je les prends. Je prends l'armement de verre. Style tantôt, je m'en fous. Ah, je prends la cuisse de lapin. Wow. Merci. Manqué, salaud.
suis un bien meilleur archer que tous tes potes ne pourront jamais l'être. Hop, tu meurs. Merci. Mes flèches. Ok, très bien si tu veux. T'es libre en tout cas, les portes sont ouvertes. Spring Steel Bow. Ça a de la gueule, mais je veux pas m'encombrer. Bah, casse-toi. Qu'est-ce que vous regardez ? Ta sale face. Du pain, de l'hydromel et un filet de saumon. Ah, voilà ce que je vous disais du coup. Elles ne sont pas toutes fouillables, mais je peux en fouiller certaines. Ah, fait chier. Il va falloir que je balance des trucs du coup, ça veut dire. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ça fait chier de lâcher ça, putain. Ça aussi, ça aussi. Récupérer mes pots, au moins ça. Pantalon usé, truc usé. Okay. Lars. Y'a déjà plus personne? J'ai déjà tué tout le monde. Fine. Ok. Ça, c'est les prisonniers. Champ de Pélinal. Volume 2, son avènement. Danse du feu, volume 3. Course de Markarth. Bof. Ingol, puis ville de pierre. Brève histoire de l'Empire, volume 4. Et volume 1. Dunmer, véritable histoire de Barenzia, je l'ai déjà. Et ben on se casse. On se casse! Bien, hop, et je suis trop lourd. Ah putain. Bon, et ben on va rentrer à la maison, déposer un peu tout ce merdier, et puis on repartira à l'aventure. Hop, le temps de chargement qui va être très très rapide. Oui, parce que j'ai installé Skyrim sur EM2, histoire d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Hop. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Ah. Il est bugué fort bien. On va le ranger ailleurs dans ce cas. Pourquoi il y a des... C'est pas sa place. Ça non plus. Ah, on va faire quelque chose de sympa. Vous allez voir, on va essayer de faire un truc stylé. Pas ici, l'autre côté, ici.
Ah, il est buggé, ça fait chier, c'est buggé, c'est buggé. C'est pas grave, laissez-le. Hop, on range les arcs ici. Voilà. Ça, je sais où ça va être rangé. On a ton autre bouffe qui est là. Hop. Alors. On va virer les reines louves. Et on va y rajouter. Première étoile, volume 1, je l'ai. Non. J'ai le volume 1 et 9. On va les rajouter dans l'ordre. 1, 2. 5, 7, 9, 10. Et normalement, il les aura mis dans le même ordre. Bah. Baise, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà. Ici, 1, 2, 3. Est-ce que j'ai pas un volume 4 qui traîne dessus? Est-ce qu'il s'est rangé avec les autres? Oui, parfait. Les champs de retour. Est-ce que j'ai des champs de retour? Champ de Pélinal. Est-ce que j'ai ça qui traîne? J'ai une étude des Dwemer de volume 3. J'en ai une de volume 1. Ah, chiotte. On va récupérer l'étude des Dwemer. Ça, on en avait une. Les mystères de Talara. 1, 2 et 4. Récit Argonien, on peut l'enlever. Nouvelle menace, pas là. Ça aussi. Pourquoi le volume 5 de la Reine Louve n'est pas à sa place? Ah si, il est à sa place. Flèche noire. J'ai qu'un volume de la flèche noire? Et la danse du feu. Elle est pas là. Tout en bas peut-être. Récit Argonien livre 3. Rajouter ça. Ça. Ok, fort bien. Tout le reste, on va le ranger là. Bref, histoire des vampires volume 1 et 2. J'ai 1, 2, 3 et 4. Parfait. Ici, l'écolier. J'ai pas mieux en termes de collier que cette merde. Ça, je vais en avoir besoin. L'anneau.
de zénithar. Je vais m'en équiper, écoutez. On va ranger les cailloux ici. Oh merde. Hop. Oui, ça prend du temps, je suis désolé. Mais heureusement pour vous, je suis bien organisé. Tac, tac, tac. Hop. Chut. Allez. Voilà. Qui fait du poids en moins. Et qui fait qu'on a beaucoup de trucs là-dedans. Faudrait aussi accessoirement que je me remette à faire des trucs à la forge pour augmenter mon niveau de forge quand même. Sabre d'Alinor? Putain! Ah, il y a des trucs que j'avais pas vu. Blue Dragon Ninjato. Oh! Ça, ça a de la gueule aussi. Ah là, le barde elle est pas folle. Ouais, je peux les faire. Quarterstaff a de la gueule aussi. Ah, il y a deux modèles de quarterstaff, dis donc. Elven Steel Sword. Elven Tanto. Le truc sur la lame sont assez stylés quand même. Hein. Le trident est dégueulasse. Ok, Zashi. Ok. Bon, l'espadon elfique classique, comme vous pouvez le voir, il n'est pas comme dans le jeu original. C'est une retexture parce que je trouve que c'est dégueulasse. Grey Blade. Diantre. Secure knife, mais ça. Chunk de roue, putain. Sabeur. Celui-là, mais il est pété celui-là. Ça va être une épée de fou furieux, ça. Valenwood Warbow. Ok, et l'épée. Bien. Je peux forger des armes en argent. Voilà qui est intéressant. Je peux faire des trucs en argent. Bien. Voilà, ça c'est d'autres trucs. Ça, ça a de la gueule ça. C'est des trucs de boss meurt donc bon. Non, wood, boss meurt. Masque, stylé. Brigand Plate Harness. Crimson Archer Cuirass. Ah ouais, il y a des trucs que j'avais pas vu. Ah, Mage d'Ébonite. Ah, ça par contre, c'est cool. Oulala. Light cuirass. Quelle est la différence entre celle-là et celle-là? Dark et light. Je saisis pas bien la différence. D'accord. Celle-là est une armure légère et ça c'est une armure lourde. Ok. What the f... Falcras Armor, non, non, ça non, ça c'est des trucs, non. Collier Rings. Je peux faire ça avec des pièces d'or, ils sont sérieux.
Ah, mais c'est des boucles d'oreilles! Oh, c'est stylé! C'est stylé. Edge Knight Armor. Ça, c'est un peu de gueule, les gantelets, je trouve quand même. Hunter Armor. Ça, c'est ce que je porte. La Mercenary Armor. Que je peux faire du coup, fort bien. Primitif. Un cavier roi. Chains. Ringmail. L'armure complète doit être relativement sympa de ringmail. C'est un casque ça? Shaman Light Cap, ok. Snowbeer Armor. Elle est là de la gueule. Snowbeer. Spellbinder. Tribunal Mask. L'armure du tribunal aussi, elle a l'air stylée. Vanguard aussi, elle a celle de la gueule. Ça, c'est un truc que je ne porterai pas, les Witchplates. Par contre, ici. Ok, toujours pareil. Ok, ok. Ça, j'aimerais bien le faire, mais il me faut des rouleaux de papier. C'est des trucs que j'ai pas, ça. Les rouleaux de papier, je crois pas en avoir nulle part stocké. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème. Oula. Ah oui, c'est vrai que toi t'es bugué. Étranger avec les autres boucliers. Et armure. Est-ce que j'ai les boucliers ici seulement? Non. Qu'est-ce que... mais j'ai pas de boucliers qui sont rangés. Si, là peut-être. Si, ils sont là, ok. Bien, 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 bien. Des rouleaux de papier. Du coup, il y en a pas qui traînent nulle part, genre. No shit. Putain, filez-moi des rouleaux de papier. Ça, c'est quand j'en ai besoin que j'en ai pas, putain. Mais quoi là-dedans? Des torches, magnifique. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? D'autres bouquins merveilleux, faudra que je les transfère à l'étage. Et là, y en a pas du papier là? Allez! Faites pas vos putes! Mais y a bien un rouleau de papier qui doit traîner, putain, c'est pas possible. Oh. Quelle horreur! Ah, ça fait chier, hein. C'est toujours quand on en a besoin qu'il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave. Fine. Qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans? Les masques à vendre, ok. Oui, parce que... Je vous explique. C'est un bug involontaire. J'avais foutu Vokun là-dessus et je l'ai enlevé. En fait, il est réapparu et deux fois d'affilée. Donc... J'ai deux fois ce masque là, donc trois fois même. Ils sont là les masques que j'ai, et Vokun il est là. Ce qui fait que je pourrais vendre l'autre sans aucune. Enfin les deux autres sans aucune putain de vergogne. Excusez-moi. Pom pom pom. Allez, je vous accorde encore un peu de temps parce que du coup, j'ai pas de. Pardon de ça. Ouais, c'est bon, je l'ai posé. Du coup, j'ai pas de. Il n'y a pas eu beaucoup d'action à part au début de la vidéo.
Allons voir par là. Il devrait y avoir de petites choses qui traînent. Espérons en tout cas. Ah! Ah, bonjour! Mourez, monsieur, merci. Ça, c'est absolument dégueulasse, mais c'est bien que tu l'aies. Allez, ah c'est chiant ça par contre. Ah les tumeurs maintenant, il y en a marre. Je vais explorer ce machin, moi. Apparemment, écoutez, génial. Il n'y a rien d'autre autour, merveille. Si, il y a un camp de sombrage là-bas. Écoutez, allons voir par là-bas. Dirigeons-nous là-bas, peut-être des choses. Une rivière, c'est merveilleux, mais c'est pas ce que je cherche. Allez, prenons cette route. Là-bas, il y a un truc de dragon, mais déjà exploré ces trois trucs-là, là. Ce que je veux, c'est aller là-bas, le long de la rivière. Ah, vous voyez, il y a des choses, il y a un petit camp de parjure. On va aller s'en occuper. Et il y a une grotte. Bah, génial ça. Alors, ce camp de parjure, où est-il? Oh là. Qu'est-ce que tu es toi? Un chasseur? Si tu m'agresses, je te tape. Ce serait pas bien que je prenne des épouses à mon âge. Alors il me faut mourir. Malakat m'a envoyé une vision dans laquelle je mourrai glorieusement. J'attends ici qu'elle vienne. Quoi? Vous pouvez le constater, ça n'est pas encore arrivé. Peut-être. Vous croyez? Nous verrons. Quoi? Usage de crâne. Bon ben voilà. Ce que tu voulais, tu l'as eu. Tu es mort. Et l'autre là, il s'est barré où? Il y avait un autre type avec lui, il est là. Ah, pour un vigile, t'as une armure sympa, toi. Bref. Oui. Bah, surveille-moi si t'as envie. T'as que ça fout de tes journées, l'ami. Oh là là, crêpe de vase, dégage.
là-bas, il y a un campement orc, une grotte. Ah, le campement de parjure. Essayons de prendre de la hauteur. Ok, je vois du monde. Je te vois. Oh. Quoi? Bien. Allez, la blague. Je suis mauvais là aujourd'hui. Oh! C'est bon, t'as fini? Waouh! Les giga dégâts! Avec quoi tu me tirais dessus? Avec un arc de parjure en plus. Eh bien monsieur. Oh! On est où là? Fine, il y a une ruine des Dwemer là-bas. Il y a une ruine Dwemer là-bas. Bah écoutez, on va tuer le dernier parjure qui reste. Je le vois. Bah alors? Oh! C'est bon, tout va bien. Hop. Là, voilà. Bon, c'est pas trop mal. Bah, écoutez tout le monde, on va s'arrêter là. Je vous fais à tous... je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous aurez apprécié l'épisode. Pas beaucoup d'action, beaucoup de rangement, mais bon écoutez, il faut un peu de tout aussi. Tenez-vous prêts parce que c'est que le premier épisode de la suite et du retour des mythes et légendes de Bord de Ciel sur la chaîne. Donc voilà, il y en aura. J'essaierai d'en poster assez régulièrement, je m'avance sur rien, mais bon. Je vais peut-être en tourner une deuxième juste après. Ou pas, je sais pas encore, mais en tout cas, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas et si le retour des mythes et légendes vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, commentaire, pouce bleu, bombardez, arrachez tout, faites-vous plaisir, vraiment, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde, ciao ciao.